Alors, quand on décrit le parcours de vie d'une personne, on a souvent tendance à le faire en fonction de son âge. Alors, d'une part, parce que l'âge, c'est en général un assez bon indicateur pour situer les individus dans la société. Il reflète des rôles sociaux. C'est normal d'être étudiant à tel âge, parent ou travailleur à tel autre âge. Et par ailleurs, il y a des lois et des politiques publiques qui encadrent aussi ces normes qui sont liées à l'âge, parce qu'elles influencent l'éducation, l'aide à l'emploi, l'accès au logement. Alors, dans le parcours de vie, la transition vers l'âge adulte, c'est une période charnière qui est située entre l'adolescence et l'âge adulte, et au cours de laquelle se forgent de nombreuses inégalités sociales, que ce soit dans l'entrée dans le monde du travail, l'achat d'un logement, l'accès ou l'utilisation de ressources urbaines, ou encore dans l'adoption de comportements sains de santé ou de comportements tabagiques. Et cette transition vers l'âge adulte, elle impacte de nombreux domaines de la vie, avec l'arrêt des études, le premier travail, ou en tout cas le premier travail stable, le départ du foyer parental, l'installation en couple, le mariage ou encore la naissance du premier enfant. Donc, pour s'intéresser aux étapes de transition et pour concevoir que les jeunes adultes, c'est une période qui représente plusieurs réalités socio-économiques, bien, heureusement, on a collecté une base de données avec 2000 jeunes adultes en dessous des 25 ans, donc qui nous permet d'illustrer ça. Donc, vous avez deux colonnes, ceux de nos participants qui avaient 18 et 19 ans, et la colonne de droite représente ceux qui avaient 24 et 25 ans. Donc, on peut voir que pour différentes transitions, donc dans l'ordre, vivre avec ses parents, vivre avec un partenaire, vivre avec un enfant, être aux études, travailler à temps plein, terminer un diplôme postsecondaire, donc un cégep ou un diplôme universitaire, et avoir un revenu, mais qu'il y a des grosses différences qu'on peut trouver en juste une différence de 6 ans. Ou ce que, par exemple, la proportion diminue de moitié du nombre de personnes qui continuent à vivre chez leurs parents, le nombre d'habiter avec un partenaire ou avec un enfant explose, de la même façon, étudier diminue de moitié, travailler à temps plein augmente de, je pense, 400%, et il y a 4 fois plus de personnes qui terminent un diplôme postsecondaire, donc au travers de cette période-là. Dans le contexte des inégalités sociales et au tabagisme, on comprend aussi que on se rend compte que la majorité de ces transitions sont associées avec un risque différent de tabagisme. Si on prend le cas de l'éducation, on voit qu'il y a une différence de 34%. Donc ça, c'est une probabilité moyenne au sein des participants ISIS. Donc on passe d'une probabilité de 34% d'être fumeur chez ceux qui ont juste un secondaire 5 ou moins à 14% pour chacun. C'est chez ceux qui ont juste un diplôme universitaire. De la même façon, pour le revenu, ceux qui n'ont pas de revenu à cet âge entre 18 et 25 ans ont un risque de moitié d'être fumeur comparé à ceux qui ont un revenu de plus de 20 000 par année. De la même façon, à avoir un enfant entre 18 et 25 ans, en moyenne, c'est associé avec un risque de moitié. On passe de 24 à 11. De la même façon, vivre avec ses parents, c'est associé avec un risque plus faible d'être fumeur, je pense, d'environ 7. Et avoir un partenaire affluent, donc ce qui veut dire, on a mesuré ça dans les données ISIS en demandant est-ce que vous avez un partenaire qui peut vous donner au moins 500$ en cas de besoin. Donc ça aussi c'est associé avec un risque diminué. Ce qui se cache derrière ces chiffres-là, c'est qu'on se dit ça représente la moyenne en 18 et 25 ans. Mais lorsqu'on comprend avec la dernière slide que les gens à 18, 19 ans et à 24, 25 ans sont dans des étapes de vie totalement différentes, probablement que ça cache aussi différentes réalités. Donc, si je fais juste prendre le cas de l'éducation et qu'on compare entre les participants selon leur âge, la relation entre l'éducation et le tabagisme, on se rend compte que l'écart se construit dans le temps. Ou ce que parmi nos participants qui avaient 18 et 19 ans, l'écart était de 8 points de pourcentage et cet écart augmente presque systématiquement selon l'âge des participants pour être au plus haut chez nos participants qui avaient 24 et 25 ans. Puisque là, on a un écart de 21 points de pourcentage. Donc, à droite, vous avez ceux qui ont un cégep ou une université, et à gauche, ceux qui avaient juste un diplôme de secondaire 5 ou moins. De la même façon, l'éducation, le revenu, avoir un enfant, habiter chez soi, c'est l'aboutissement d'une transition où souvent on peut comprendre que ça cache une trajectoire derrière. Par exemple, des personnes qui, à 25 ans, ont terminé l'université, peuvent avoir arrêté d'étudier à différents moments ou à différentes trajectoires au travers de l'institution d'éducation. Donc, si on regarde ça, on comprend que c'est pas juste ton diplôme, qu'est-ce que ça te donne en termes d'avantages, mais c'est aussi de la trajectoire avec laquelle tu es arrivé au diplôme. Donc, ici, on regarde la probabilité moyenne, quel que soit ton niveau d'éducation, ce que tu étudies, mais le fait d'étudier chez nos participants qui avaient entre 18 ans et 21 ans est associé avec un risque moins d'être fumeur.
puis alors que cette différence-là disparaît à partir de 22 ans. Et dernièrement, le point que je veux montrer, c'est que les transitions, comme que ce soit l'éducation, les relations de couple, l'employabilité, etc., c'est que donc, non seulement ils se construisent dans le temps, mais aussi ils sont imbriqués ensemble et comprendre leur effet sur le risque tabagique peut juste se comprendre à travers leur effet conjoint. Donc, mon dernier exemple, c'est en regardant l'interaction entre l'éducation et le revenu personnel des jeunes adultes. Donc, ici, vous avez trois courbes pour les gens qui ont juste un secondaire 5 ou moins, ceux qui ont un cégep et ceux qui ont un diplôme universitaire. Et l'idée, c'est de le montrer en bas entre 0 et faire jusqu'à 40 000 $ ou plus par année. Et l'idée de montrer, c'est qu'avoir un revenu est important ou plutôt est associé à un risque tabagique beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont juste un diplôme secondaire 5 ou moins, mais cet effet-là est totalement absent chez ceux qui ont un diplôme universitaire. Donc, c'est de montrer, encore une fois, qu'on ne peut pas comprendre ces différentes transitions, ces différentes ressources, ces différentes circonstances socio-économiques sans les réfléchir en même temps pour comprendre la transition vers l'âge adulte. Donc, la transition vers l'âge adulte, c'est une période clé pour comprendre le développement des unités sociales de tabagisme. Cependant, comprendre l'effet des études, l'effet d'être en couple, l'effet d'être en éducation, en travail, d'avoir un revenu, etc., c'est difficile à comprendre comment ça va s'associer avec le tabagisme. Et donc, il faut se gratter la tête pour comprendre quels sont les mécanismes par lesquels les unités sociales se transforment en unités sociales et au tabagisme. Et donc, pour la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive si on réfléchit ça aux espaces où les jeunes adultes étudient, travaillent, vivent et sont, pas font l'amour, mais sont en amour. Bah, ça aussi. Alors, en fait, on sait aujourd'hui que donc, l'exposition à des lieux, à des environnements, à des quartiers impacte la santé, mais on sait encore assez peu de choses sur la manière dont les parcours ils s'inscrivent dans l'espace et comment ils évoluent. Alors, pour explorer cette question, je m'intéresse à l'évolution de l'espace d'activité des jeunes adultes, et donc qui est composé de l'ensemble de lieux fréquentés quotidiennement, donc la maison, le travail, l'université, les lieux de loisirs, l'épicerie, par exemple. Et donc, j'exploite les données ISIS, donc, qui ont été collectées en 2011, en 2014, et je les ai complétées par 20 entrevues, auprès de participants ISIS l'année dernière. Et donc j'ai 3 temps d'enquête. Et pour illustrer comment ces changements de vie dans la vie des jeunes adultes interviennent durant la transition et comment ces changements influencent les espaces qu'ils fréquentent, je vais vous présenter un cas, celui de Simon. Alors, Simon, en 2011, il était étudiant et voilà, il explique qu'il sortait beaucoup. Là, sur la carte, donc vous avez l'ensemble de ses lieux fréquentés à Montréal et donc son espace, il est plutôt étalé. En 2014, son espace, il s'est réduit. Il commence à travailler, il est en couple, donc sa vie se stabilise. Son espace se réduit. Et en 2017, lorsque je l'ai interrogé, il explique qu'il ressent de moins en moins le besoin de sortir, d'explorer la ville. Voilà, il connaît la ville, il connaît les lieux, il sait quel lieu il aime fréquenter et son espace est largement réduit. Son espace s'est de plus en plus réduit autour de chez lui. Les distances qu'il parcourt, elles se sont également réduites au cours de sa transition. Et alors finalement, ce qu'on peut retenir des présentations de Thierry et de la mienne, ce serait que les politiques qui veulent réduire les inégalités sociales dans le tabagisme, elles doivent s'impliquer auprès des jeunes adultes au cours de leur transition, que cela nécessite une approche intersectorielle donc qui inclut les institutions et que ce soit en lien avec l'éducation, avec l'emploi, avec la famille, qui peuvent agir sur les capacités de ces jeunes adultes à transiter au mieux vers l'âge adulte. Et dernier point, que s'intéresser aux espaces d'activité,
Ça permet de considérer les individus dans le cadre de leur vie quotidienne, donc en lien avec un ensemble de lieux qu'ils peuvent fréquenter donc dans la ville, donc un ensemble aussi d'environnements qu'ils peuvent fréquenter. Et étudier ces espaces d'activité au prisme du parcours de vie, là, ça met en évidence que, justement, la fréquentation de ces espaces et de ces lieux, elle change au cours de la vie, et donc que l'accès à la ville et que l'accès à certaines ressources qui seraient porteuses de santé, aux différentes expositions, là aussi, elle évolue au cours de la vie. Et donc, la prochaine présentation, elle va explorer ces relations entre la santé l'espace là qui est étudié à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de la résidence, du quartier ou de l'espace d'activité.